Alors bonjour, Gaëtan Ménard, je suis le secrétaire trésorier du syndicat des communications, énergie et papier du Canada. Un syndicat qui regroupe environ 120 000 membres à travers le pays et un syndicat qui, peut-être le savez-vous, est en pourparlers avec les travailleurs canadiens d'automobile pour créer une nouvelle organisation syndicale au pays dont on ne connaît pas encore le nom et on ne connaît pas encore exactement tous les tenants et les aboutissants, mais on y travaille présentement. Nous, au SCEP, dès les premières discussions entourant la création d'un forum social Canada-Québec, Première Nation, nous étions partie prenante. Moi, j'ai participé aux premières rencontres qu'il y a eu là-dessus à Montréal. Et la raison étant bien simple, on cherche des voies qui vont permettre de rallier les forces progressistes à travers tout le pays. Moi, je trouve que, et on trouve chez nous qu'on a des difficultés. Et ça fait partie des problèmes canadiens. Ce pays étant tellement vaste, on voit beaucoup de luttes qui ont lieu dans l'Atlantique, des luttes qui ont lieu au Québec, des luttes qui peuvent avoir lieu en Colombie-Britannique ou dans les prairies, en Ontario. Mais rarement on réussit à unifier tous ces gens, rarement on réussit à mettre tous les progressistes du pays ensemble pour dire « on va combattre l'agenda » des Harper et autres leaders de droite au pays. Et ça, c'est un problème, et c'est ça qu'on recherchait à travers l'idée d'un forum social Canada-Québec Première Nation. Et on continue à être derrière cette idée-là, et c'est très en lien aussi avec les discussions qu'on a, dont je parlais tantôt, avec les TCA par rapport au nouveau syndicat qu'on veut mettre sur pied. Ce nouveau syndicat-là, on le veut ancré dans les communautés. On le veut près des gens, près de tous les travailleurs et travailleuses à travers le pays, qu'ils soient syndiqués ou non. Et ça, je pense qu'une formule comme le Forum social, c'est une bonne formule pour nous permettre justement de se défaire d'une image qui nous a été accolée, moi je pense, tout à fait injustement. Parfois, pour des bonnes raisons, par contre, cette image donc corporatiste du monde syndical, où il faut se débarrasser de ça pour dire, regardez, on n'est pas là simplement pour remplir les poches de nos membres. On est là aussi pour, oui, arracher de l'argent aux grandes entreprises dans les différentes communautés et faire en sorte que ces argents-là restent dans les communautés. Et le meilleur moyen pour ça, c'est justement négocier des bonnes conventions collectives. Mais c'est donc montrer qu'on est là aussi pour les communautés, on est là aussi pour les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas syndiqués et qu'on peut travailler ensemble et qu'ensemble, on a tout intérêt, en fait, on a tout intérêt à se mettre ensemble pour combattre, encore une fois, l'agenda et les objectifs de la droite au pays. Qui, disons-le, au cours des 30 dernières années, avancent à grands pas, réussissent. Rares sont nos victoires, grandes sont les leurs. Et il est grand temps qu'on réussisse à créer un mouvement dans ce pays-ci qui viendra les arrêter. Alors, c'est un peu pour ça qu'on est là, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on va mettre des énergies et qu'on va participer à la création et à l'élaboration de ce forum social.